J'ai connu le CADTM parce que je suis journaliste. Et j'ai fait une interview à Jérôme Duval du CADTM en Espagne. Et j'ai vu que la question de la dette, c'était fondamental, absolument central. Et les femmes, parfois, on est esclaves du système capitaliste et patriarcal. C'est une autre manière d'esclavage. La dette publique a augmenté d'une manière spectaculaire. On a socialisé des dettes privées et ça a des conséquences directes sur les femmes. On a dû réduire les déficits et à peu près 50 000 millions d'euros. Et ça, c'est beaucoup d'argent qui ne va pas à la santé, qui ne va pas à l'éducation. Ce sont des choses que les femmes souffrent en premier lieu. Et ici, on a la phrase « no debemos, no pagamos », nous ne devons rien, nous ne payerons rien. On peut la dire, mais il faut mettre en marche. Et en Espagne, maintenant, le mouvement de l'audit des dettes, c'est un mouvement très, très puissant. Ada Colau, elle est la leader d'une association contre l'expulsion. Les femmes ont été à l'avant-garde de ce mouvement en Espagne. J'ai vu une photo avec Ada Colau, avec deux polices, et contre une expulsion. Et maintenant, elle est dans la mairie de Barcelona. La leader de l'association contre les expulsions, qui a fait une lutte directe contre les banques, maintenant elle est au pouvoir. Et on aura des élections prochainement en Espagne, des élections générales. Et on va voir comment le bipartidisme du PP-PSOE va tomber. Et ce qu'on doit voir, c'est si les nouvelles alternatives ils vont être à l'auteur. Bien sûr, on a la loi Mordaza, la loi Bayonet, on l'appelle, qui endurcit notre vie. Et il vient d'approuver une autre loi, une autre réforme de l'avortement pour les femmes de moins de 18 ans. Ça veut dire il continue, mais la rue et la société espagnole est en disant nous voulons un changement. Les femmes, là, elles sont à l'avant-garde, surtout dans les luttes des logements, mais aussi, par exemple, dans l'éducation, mais aussi dans la santé. Toutes les travailleuses, elles sont en première ligne. Ça se voit, par exemple, dans les marches de la dignité.